And first of all, I'd like to welcome all of the ambassadors and our diplomatic colleagues from member states, as well as the observers and the representatives of international organizations, the members of civil society. And I'm also pleased to confirm that all credentials are in order and suggest that the Council take note of this. Tout d'abord, je voulais exprimer au nom de mon pays nos remerciements sincères et profonds à tous les États membres de l'organisation de nous avoir permis au cours des 4 années qui viennent de s'écouler de faire partie de l'organe principal et central de l'OIM. Ce cycle de 4 ans, ce mandat de 4 ans, nous remplit de fierté. Il arrive à terme aujourd'hui. Nous l'avons assumé avec à l'esprit l'idée que la migration est un facteur nécessaire au développement durable et qui montre l'engagement du Chili pour un monde en paix et au bénéfice de tous. Par notre participation à la table du Conseil, nous espérons avoir contribué humblement et de par notre région du monde, depuis notre région du monde, à la croissance et au renforcement de cette organisation qui est notre organisation à un moment clé de l'évolution des migrations internationales. À titre personnel, ça a été un vrai honneur pour moi que de pouvoir exercer ce mandat de président de ce Conseil général pour compléter le mandat de Marta Mahoras, qui a commencé ce mandat. Je suis sûr que vous gardez tous très bons souvenirs d'elle. Notre mandat s'est écoulé au cours d'une année marquée par des événements importants dans le domaine des migrations. Entre autres, le processus qui n'est pas encore arrivé à bon port d'adoption d'un pacte mondial pour une migration sûre, régulière et ordonnée, tout particulièrement avec la réunion de Puerto Vallarta et les cycles de négociations de Nueva York qui ont suivi jusqu'à arriver à un projet de texte définitif qui, nous l'espérons, sera adopté par la très grande majorité dans les semaines à venir. Ces étapes du processus ont eu lieu hors Genève, mais cependant le Conseil de l'OIM et toute son administration a redoublé d'efforts pour continuer d'établir le lien entre ce pacte et Genève, en étant bien conscient de l'importance centrale que cette capitale et l'axe multilatéral ont autour de ce pacte. Il y a eu de nombreuses occasions où nous avons pu échanger des avis avec les co-facilitateurs du processus et avec la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Louise Arbor, et son équipe, en exprimant, en faisant valoir notre point de vue du point de l'avis de ceux qui travaillent au quotidien avec l'Organisation des Nations Unies dédiée exclusivement aux migrations, en abordant ces migrations dans toute sa complexité et toutes ses facettes. Je suis persuadée que ces échanges ont contribué de façon constructive au processus et que ces contributions sont aussi responsables du rôle central que le rôle a su donner à l'OIM. En sachant que 2018 serait marqué par le pacte, notre volonté a été de toujours garder une bonne communication entre Genève, New York et les capitales. Ainsi, avec en parallèle des rencontres organisées avec ceux qui gèrent le processus au quotidien, le Conseil a essayé d'utiliser les groupes de travail comme des espaces d'information à l'attention des délégations sur les évolutions des choses à New York et comme un espace d'échange d'avis entre les délégations au fur et à mesure que les négociations avançaient. Ces espaces de travail de grande valeur nous ont été utiles, ont été souples, et j'espère qu'ils resteront donc le point d'ancrage pour que l'organisation assume de nouvelles responsabilités qui engendrera bien sûr des grands défis, mais défis qu'il faut que nous relevions tous ensemble de façon responsable et conjointe. 2018 a été un changement de grands changements à l'intérieur de l'organisation aussi. Le deuxième mandat de l'ambassadeur Swing, après 10 ans à la tête de l'OIM, est arrivé à échéance. En vertu de la pratique actuelle des organisations internationales et avec la transparence qui caractérise notre organisation,
nous avons donc lancé le premier dialogue interactif avec les candidats pour candidats à la direction générale de l'OIM, ce qui nous a permis de connaître mieux la vision et les idées de chacun d'entre eux de façon simple, de façon directe. J'espère que cette initiative marquera un précédent et pourra être affinée pour devenir une pratique habituelle des élections à venir du directeur général de l'OIM. Quelques semaines avant la réunion intergouvernementale de Marrakech, l'OIM est en bonne forme et bien préparé pour relever les défis qui se dessinent. En ce sens, j'aimerais remercier l'administration du travail excellent qui a été fait, en reconnaissant tout particulièrement le travail fait par l'ancien directeur général, Dr. Lacey Swing, et la directrice générale adjointe, Laura Thompson. De même, je tiens à souhaiter beaucoup de réussite dans la tâche qu'il a accepté d'assumer il y a quelques mois de cela, notre nouveau directeur général, M. Vitorino. Et j'aimerais souhaiter beaucoup de réussite aussi à mon successeur. Je suis sûr que ses capacités, son énergie seront très utiles dans les travaux qui vont nous demander sans aucun doute beaucoup d'énergie pour l'année qui arrive. Merci.